Hey, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de la mise à jour 1.9.100. Donc le contenu de la mise à jour est le suivant. Le nouvel événement Capricorne qui arrive après le Sagittaire, le Capricorne. Alors il va y avoir un événement avec des tâches journalières qui s'appellera Crise médicale, la mission de Triche qui est l'aéro-médecin. Il y aura comme d'habitude l'accomplissement de tâches journalières pour gagner des points. Les tâches journalières seront actualisées chaque jour, bien sûr, c'est des tâches journalières. On aura aussi des points de réapprovisionnement avec des biocabs, je pense, comme d'habitude. Il y aura aussi une barre de points à remplir pour gagner des caisses de récompense avec des accélérateurs sûrement, mais on verra ça dans une autre vidéo quand je l'aurai rempli. Ensuite, il y a quelques petites optimisations qui sont plutôt pas mal. Alors, maintenant, quand vous faites un renseignement, le renseignement que vous êtes en train de faire, il disparaît pas, il se met en transparence pour que vous ayez accès plus facilement au renseignement que vous n'avez pas fait. Il y a aussi, quand on lance un rallye pour l'invitation, on aura les alliés en ligne qui apparaîtront tout en haut de la liste. Le niveau max du boss de l'alliance, c'est celui du piège qui est désormais au niveau max, le 48. Ensuite, il y a une mise à jour qui est pas mal, c'est l'amélioration rapide des héros. Même si au final, j'ai été un peu vite, j'ai tout passé pour monter Roxy et je me retrouve avec une tweak générale au niveau 50. Et le nouveau support. Donc le nouveau support, je pourrais pas vous le montrer tout de suite, il y a un petit souci. Dès que je vais dessus, c'est un écran noir. Donc il faut que je trouve un moyen de le filmer, j'essayerai sur l'ordi pour vous montrer tout ça. J'ai déjà dû les contacter. Pour l'instant, un support beaucoup plus respectueux, qui répond pas forcément plus vite, mais qui a l'air de s'intéresser plus fort au problème. Donc on verra par la suite, on va attendre 15 jours, un mois pour pouvoir se prononcer sur leur nouveau support. Donc avec chaque mise à jour, toujours des récompenses, donc là, carte de recherche avancée, épique, un peu de ressources, des manuels de combat, accélération de construction, de développement et général. Donc, pour commencer, maintenant, avant ça s'arrêtait au niveau 5 infernal, maintenant nous pouvons monter au niveau 8 infernal. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, je vais remettre au niveau 5 pour pas qu'il se trompe. Ensuite, donc, quand on lance un rallye, je vais en lancer un. L'autre jour j'ai eu des petits bugs, je sais pas si c'était normal. Je vais rejoindre le sien au passage. Invitation, donc normalement les membres qui sont en haut, c'est les membres qui devraient être en ligne. Donc là par exemple, ça s'est pas mis à jour. Donc Venezia est peut-être en ligne, mais en tout cas, elle apparaît en premier dans la liste. Ensuite, donc on a dit l'événement qui est ici. Donc comme d'habitude, des kits médicaux qu'on devra sûrement donner donc pour soigner le patient de Triche qui est ici. Des accélérations d'une heure, des biocaps comme d'habitude. Et ici, on peut déjà voir la liste de ce qu'il y aura comme marqué dans l'email. Une petite explication toujours au point d'interrogation sur le docteur Triche. Le docteur Triche qui est quelque part par là. Comme vous le voyez, lance un Medicap Pack au héros ciblé et soigne. Et pour le militaire, Triche fournira un traitement médical et boostera de 20% le PV des troupes. Donc ensuite, dans cette mise à jour, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Ah, et la traduction aussi des annonces d'alliance qui est pas mal parce que, par exemple, dans mon alliance, on a plusieurs langues. Et quand il faut envoyer des messages dans chaque langue, c'est dur de pas se gourer. Souvent, on oublie une ou deux langues. Donc voilà, sur ce, on a fait le tour de cette mise à jour. On en reparlera un peu plus quand l'événement sortira. N'oubliez pas qu'en ce moment, il y a les défis d'alliance. Sur quoi on a déjà fait une vidéo, la bêta comme toutes les semaines, le sprint surpuissant pour gagner
pas mal de biocaps. Ne loupez aucun événement pour avancer. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.